Le Capharnaüm des confins. Ah bah tiens, c'est là que j'avais... C'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Dieu, vous êtes combien ici? Allez, la fête est terminée! Vous n'avez jamais servi à quelque chose, que ce soit Dark Souls 2, Dark Souls 3... Pas prêt de changer. Des bombes incendiaires noires. Pourquoi pas? J'ai jamais été fan des consommables, mais... Ah, vous l'avez sûrement remarqué, hein, je ne joue jamais avec les consommables. C'est... J'arrive pas à comprendre le principe d'un consommable. C'est... Comment je pourrais te dire? Tu l'utilises mal ou tu meurs juste après, ben... Bah tu l'as consommé, quoi, il n'existe plus. Donc c'est... J'aime pas ce principe. Donc du coup, c'est pour ça que je joue jamais avec. Je les garde et... Puis ça me sert à rien, en fait. Alors du coup, là-bas, c'est là où on est mort. Et putain de saloperie. On prend jamais de dégâts ici ou quoi? Ridget City, là où les dégâts n'ont pas lieu. Il m'a l'air passablement énervé le coin. Cause bruit. Est-ce que le truc peut être là-bas? Putain, t'es sérieux, il m'a pas vu là. On va suivre les petits voleurs. Voilà. Bien. Ok, bon. Salut. Toujours par 3, hein. Allez hop. Putain, y en a encore un. Ils sont partout, ces saloperies d'anges. What the fuck? Pas si j'ai quoi guérir du poison. Ok. Repérons l'ange. Putain. Je peux pas explorer, je peux rien faire. Non mais à un moment là les gars, comment je fais? Ah merde, je suis mort. Je suis mort. Et tu ne m'avais jamais vu? Je n'ai jamais existé pour commencer.
Donc, ce qui fait que j'ai deux endroits avec des anges que je peux pas vraiment visiter. Alors, du coup, on va aller au-delà des racines. Je peux rien faire d'autre. Essaye, tu te soignais de l'empoisonnement. Hein? Ça pourrait être pas mal. J'aimerais bien aller sur les toits, mais ça ne servirait peut-être à rien. Oh putain! On la flamberge empoisonnée, tiens. Sachant qu'elle fait de base des dégâts de saignement. C'est peut-être pas bête comme technique. C'est pas totalement con en vrai. Putain, en vrai, il est super intelligent! Tu cumules deux effets sur une arme? Oh oh. Fuck! Ok, trop lent. Trop lent. C'était quoi ça? Elle s'est barrée. What? Il y avait pas un autre meuble là? J'ai pas compris le délire, y'avait pas un autre mob. Capuche de pyromancien du désert. Ah, ce Dark Souls 2, donc ça renforce le fait que là on est dans le l'ancien marais empoisonné et tout ça, le l'aiguille de terre. C'est cool. Oh les putes, je suis en tenaille. Oh bah oui, lève-toi histoire de me choper. Ah, moi je sais pas où est-ce qu'il est passé, mon mob, il a disparu. Est-il possible d'y arriver? Non. De toute façon, ça mène nulle part. Je ne sais pas où aller là. Je sais pas où aller. C'est très très bizarre. Donc t'as une espèce de pseudo marée empoisonnée. What the fuck? Oh, there you are. Perfect timing. You remember that treasure? In the thick of the poison swamp. Well, ouais. I fetched it for you. As promised. Oh. It was only a hop and a skip. I needed a rest from old Nan over there. Here. Go ahead. It's yours. Maybe it'll help you with that solemn duty of yours. Putain, merci. This really is a dreg heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. It actually sort of lends credence to the old rumors that the ringed city Putain, bah merci mec. Tiens, tablette de titanite. C'est cadeau, voilà. Oh putain, merci. Je ne la mérite pas vraiment cette tablette, mais très sympa. Bon bah moi je me tire. Ou pas, parce que c'est un putain de cul-de-sac de merde.
Putain, je suis à rien de me faire défoncer. D'accord. Non, mais c'est quoi cette Gatling, quoi? Il faut que je fasse comme tout à l'heure, que j'arrive à trouver le... Ah, les trucs d'à côté, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont, moi. Putain, mais en tout cas, lui, super gentil. Bah, merci bien. Hein. Même si ces lignes de dialogue, je trouve, elles paraissent vachement rapides et rapprochées, mais... Bye bye. Dans la cabane, dans la cabane, dans la cabane, dans la cabane. Bon, l'ange, il est au plein milieu de la zone. Ça m'arrange pas. Je peux pas vraiment aller là-bas. Par contre, je peux peut-être monter cette racine. Non, je peux même pas. Je peux me cacher derrière la racine là. Ok, ok, ok. Trouver un truc. Ça ressemblait à ton arme. Bon. Ok, ok. Je sais pas trop où je suis. Salut. Bon, pour l'instant, toujours pas trouvé le... Le schmilblick, là. Au surtout. Ça veut juste dire c'est pas le bon chemin. Alors par contre j'ai trouvé une arme. Ouais je sais aussi je... Oh c'est bon le poison, il va bien se barrer à un moment. Par contre je vais me remettre des... Hop. Voilà.
des FP. Quelle arme me paraît nouvelle? Celle-là. Espadon courbe d'Harald. 22-18. Super. Une épée courbe géante ornée de dorures. Que maniaient naguère les hommes de la Légion d'Harald. Un groupe de guerriers en quête de l'âme ténébreuse. L'épée sombra dans les ténèbres avec la dépouille de son propriétaire et sa lame se corroda irrémédiablement. Permet de tenir la lame géante à deux mains pour frapper à répétition les pieds de l'ennemi. Ah, ça c'est le coup qui me fait là. Je pense. Oh, je peux pas la porter donc on pourra pas vraiment le voir. Mais ok. Je pense que c'est le coup qui me faisait à deux mains là où il tapait plusieurs fois sur le sol. Je ne vois que ça hein, personnellement. Ok. Oh putain, là-haut. D'accord. Merde! Non, je veux pas dénigrer. Fermé. Non! Oh, tant pis. Désolé. Pardon. Du coup. Je crois que je peux l'avoir avec un arc tout pourri. Let's find out. Eh ben alors, on n'est pas capable de me faire mal. Yes. Oh yes, j'en reviens pas. Oh putain, merci le message. Je suis désolé de t'avoir dénigré, c'était pas voulu du tout et je peux même pas changer la notation, je suis désolé. Du coup. Tiens, on va peut-être revoir. Mais je suis sûr j'ai vu un autre mob. Ah regarde, une sorcière de feu. Merde. Hop. On s'est tous les deux évité le... Voilà. Ok. Hop là. Oh, ouf. D'accord. Tu vas déjà me saouler. What the fuck? Elle utilise une magie avancée. Oh la pute! Mais oui. What the fuck? D'accord. Alors avec un peu de chance, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les engins. J'espère qu'il ne va pas repopper, qu'il faut à chaque fois tuer l'autre truc là-haut. J'espère, mais maintenant on sait où est-ce qu'il est, ce sera beaucoup plus simple. Salut, j'ai tué un ange, tout va bien. Oh ce DLC quoi, mais c'est... waouh. Ah bon, lui il repop, c'est normal, j'ai pas trouvé où était le... Ils sont quand même bien cachés ces putains d'enculés. Ils sont super bien cachés. Ah, donc oui, il peut tuer les voleurs. On vient d'avoir la confirmation en direct. Alors, t'as peur de l'ange, hein? Tu as peur d'une puissance divine supérieure? Tu devrais avoir peur de moi.
Allez, c'est parti. Pas d'ange. Yes! Yes! Je peux explorer cette zone. M'énerve un petit peu que je peux pas explorer la zone d'avant d'ailleurs. Preuve que j'ai bien raté quelque chose. Sérieux, on apparaît à chaque coin de ça. Ils sont super durs à tuer. Il me rappelle un petit peu ces mobs super durs à tuer de Dark Souls 2 dans le DLC 2. Vous savez, ceux avec une énorme massue là. Je crois qu'il fallait 62 forces ou plus pour la porter à deux mains. Massue de fondeur ou je sais pas comment c'était le nom. J'aimais bien plus cette arme. Sauf que bon, elle avait pas beaucoup de portée. Et il fallait un investissement en force un petit peu ridicule. Non mais eux, il y en a juste trop là. Garde le nombre de poules de feu qu'il me faut pour en tuer un. Je pense que c'est ça le weapon art. Les dégâts. Complètement intuable. Faut que je spam ma meilleure magie pour les défoncer. Attends. Ah. Ok. Ok, ok. En plus, je peux même pas m'énerver. C'est toujours la section. La section. Oui, c'est toujours la, session nocturne. Et du coup, ben. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. J'essaye, hein. C'est pas évident non plus, hein. Quand t'as des anges qui ont des Gatling laser. Tac 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 tac. Tu sais, tu les regardes faire les mecs, tu fais ah les noobs, il y a encore un ange qui leur tire dessus. Gant de pyromancien. Ah d'accord, t'as tout le set de pyromancien du désert dans ce marécage. J'ai trouvé les gants et la tête. Là on a la jupe. Est-ce qu'on a tout ou est-ce que... Bah non, il manque le buste. La partie la plus intéressante du build. Hein? Non. Non, on peut pas y aller. Bye bye. Anneau de grâce plus 3, mais... Oh mon dieu, mais je dis oui. Mais je dis oui tout de suite. Voilà, c'est mis, c'est acté, c'est fait. Anneau de grâce plus 3 à moi. Éclat de titanite. Okay. Donc j'ai à peu près fouillé ce bout de zone là. On va rester à terre pour voir si... Rien d'autre n'apparaît. Donc ici on est déjà allé. Là-bas du coup y a rien. Faut pas qu'on oublie de retourner voir vers le premier ange. Je veux ma revanche sur lui aussi. Ok. Donc on peut aller là. Là il va y avoir un géant qui va apparaître. Ah bah d'accord. Rien de ça. Ils ont déjà tous apparu. À quoi j'y tiens, mes 7000 âmes? Un pagne! Sérieusement? Sérieusement, les mecs? Vous me faites gagner un pagne?
Et le grand prix du tournoi Ultra Street Fighter est un kebab. Merci d'avoir participé, au revoir. Putain. Du coup, je suis obligé de me retaper cette sorcière dégueulasse. Est-ce que j'étais allé par là? Est-ce que je m'étais aventuré pleinement là-bas? Je crois que oui, mais j'ai un petit doute. Ah, j'avais pas ramassé ce qu'il y avait là, ça se trouve, c'est ce que je veux. Non, c'est juste une âme. Attention, Groot. On s'en fout, il dort ce Groot là. Très bien, merci. Merci beaucoup, j'en avais bien besoin. J'avais le dos qui me grattait en plus. Juste parfait. Merci. Donc du coup, il me manque juste le buste de des sorcières de feu. Et si je veux, je peux m'habiller comme une sorcière de feu, mais j'en vois pas trop l'intérêt, si ce n'est avoir... Enfin, si ce n'est avoir aucune armure. Je pourrais profiter de cette occasion pour tuer l'ange, mais de toute façon, je sens que je vais remourir contre la sorcière de feu. Je veux une revanche normale. Et si j'y arrive pas, j'ai de quoi me buffer pour résister au feu. C'est pas trop le problème, mais elle fait de ses dégâts. C'est peut-être un petit peu l'abus, les gars. Enfin, From Software, de toute façon, a toujours été très taquin sur les... comment je pourrais dire, sur la difficulté d'un DLC. Du genre en NG, bah c'est très dur. Et en fait, plus tu montes dans les NG+, plus c'est ultra hardcore. Je me rappellerai toujours de Dark Souls 2 où genre, en NG tu le fais, tu vas avec un build de terminé, c'est dur mais ça se fait. Et puis je sais pas, après tu le fais en New Game plus 2 et les boss te tuent en un coup, toi tu il leur faut je sais pas combien de coups pour les tuer. Ah ça c'est l'ange que je vois là-bas, non, ça, lui il me fera rien. Quoi. Éclat de titanite. Okay. Allez, il faut que je tue cette putain de sorcière de feu là. Pas évident, pas évident. Ah mais c'est pas bête, flamberge de poison, sérieux. Tu mets ça sur un build de chance à 52 chances. Franchement... Voilà. Elle est encore tombée? Ah non. Oh putain, non, elle est pas tombée, elle. Dès que je m'approche, elle utilise ce sort qui est, j'imagine, nouveau. Putain, mais cette espèce de pute! Elle a un nom en plus. Parce que c'est pas n'importe qui. Ok. Ok. Non mais sérieux là, ça devient n'importe quoi. Combien de fois tu vas te soigner encore? What the fuck? Regarde ça, putain mais... Elle peut se soigner plusieurs fois. D'accord. D'accord, d'accord. Elle a un nom, j'ai pas le temps de le lire, je crois que c'est un Z, ça commence par Z. Attends. Donc ouais. On va se préparer en conséquence. J'ai de quoi lui faire mal. Nuage toxique. À la place du serpent noir, on va se mettre... Améliore la défense de feu. Et je crois que comme ça on peut déjà être pas mal. Ça elle le craint pas. Peut-être à la limite y aller avec quelque chose de rapide et efficace. Peut-être ça, flamme profanée. Go.
pense que comme ça, on devrait être pas mal. Allez, on est reparti pour la sorcière. Alors, cette fois, je me suis préparé. Putain! J'ai glissé, chef. Je vais bientôt plus en avoir de ces trucs. Tant pis, je resterai empoisonné à vie. Alors là, on a bien le nuage toxique et non empoisonné. Ce qui fait que risque d'avoir extrêmement mal. Pourquoi elle lance ses boules de feu à 25 km et pas moi? Yes! Je... Putain, sans deck! Je suis ultra concentré, hein, je suis désolé. Yes. Elle s'est soignée deux fois. Yes. Deux fois, pas plus. Taste the booyah! Yes. Je suis bien content. Tous les aspects de la pyromancie. Eh ouais, la prochaine fois tu utiliseras ta tête, il y a aussi le poison. Éventail ardent. Ça m'intéresse. Ça c'est pas mal ça. Je trouve que c'est un petit peu mieux que le truc de très courte portée là. Ouais, plus intéressant. À voir. Oh putain. D'accord. Retour au dernier feu utilisé et on va essayer de trouver un moyen pour tuer cet ange. Maintenant on a une revanche à prendre, c'est sur le premier ange.
Donc il est franchement pour le trouver l'autre, pour tuer l'ange là, celui dans le marais. Waouh. Sans déconner, il n'y aurait pas eu le message, je l'aurais jamais trouvé. Mais vraiment. Hein. Je veux dire, après, on aura beau me dire, ouais, mais en fouillant et tout. Non, non. Je vois même pas comment le tuer sans arc. C'est peut-être ça que j'ai dû oublier. J'ai dû oublier une racine quelque part. Du coup. Alors, on va remettre de la pyro noire. Voilà. Et donc, à la place de. Oh, peut-être à la place de ça. Ok, testons. Pas mal. D'accord. Ça a l'air cool. J'ai hâte de le tester. Éventail ardent. .353 et avec ça je fais .318. Ah mais. Ah, bien, 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 bien. Ok. Allez, hop. Maintenant, let's go pour tuer le... encore un ange. Encore un ? Bon. J'ai essayé de me faufiler là-bas, ça n'a pas réussi. Peut-être derrière la cabane. C'est la cabane au fond du jardin. Peut-être quelque chose là-bas. Ouais, pour y aller, par contre, faut passer sous l'ange. Quoi. Peut-être pas. Sérieusement? Non, mais les gars, vous êtes sérieux? Oh, bah, d'accord. Lui il a dit fuck la vie et il est tombé. Costume de pyromancien du désert, et ben voilà, il me manquait le buste. Est-ce que tu crois qu'il est par là l'autre? Nous cherchons un gros truc dégueulasse. Mais à chaque fois, les anges, ils sont dans des zones tellement vastes. Parce que tu sais qu'il doit l'avoir en vue, l'autre. Il doit le voir de quelque part. Putain. Ce serait peut-être la maison qu'il y a là-bas, mais... Je pense pas, ça me paraît vachement loin. Et pourtant, est-ce que c'est là ou est-ce qu'il regarde après? Non, puisque là il fait tout le tour de la zone. Là. Mais regarde après. Non, c'est une connerie. Là y'a rien. Pas aller là-bas, c'est impossible. Bien quelque part ce bordel. Fuck it, j'y vais. D'accord, c'est fait exprès pour que ce soit impossible en fait, c'est ça? Désolé mec, mais attends, déjà voilà, je récupère ce qu'il y a là aussi, ce sera pas mal. Je sais même pas comment on fait pour ramasser ce qu'il y a là. Ah, en même temps là.
Eh ben non, parce que t'as une connasse de racine de... Oh, bah tiens, j'ai réussi à passer. Moi j'aurais supposé que le truc il était par là-bas. Quand tu sais pas où il est, c'est la merde. Et je sais même pas où elle est en plus, donc... Sinon, pour l'instant, je suis content, à part ce petit bout de zone là à cause de cet ange. On a plutôt bien exploré le truc, on a trouvé plein d'armes. Ce qui m'inquiète un peu sur la durée de vie du DLC, mais bon... Ça m'étonnerait pas que la prochaine zone dans laquelle on aille, il y ait un boss, quoi. Ici, y a rien. Y a juste eux. On a une vue d'ensemble là qui est plutôt sympathique, mais... Et là-bas au fond, là, près de la tour défoncée, on n'a pas essayé par là-bas. Aïe. Ouais bah. J'aime bien, il t'apparaît comme un truc divin, tu sais. Oh, oh. Putain. D'ailleurs, on n'a pas trouvé de miracle encore. C'est tout marrant. Et allez, dégâts de chute. On va retourner dans le marais, il doit y avoir un chemin que j'ai pas vu, peut-être celui d'ailleurs pour aller voir le celui qu'on a tué à l'arc là, peut-être. Il doit être tout au fond du marais, il doit y avoir une racine que j'ai pas pris. En tout cas, ces anges... Putain, c'est horrible. Enfin, j'aime bien hein, la notion de j'aime pas, mais en fait, j'adore. Ok. Ok, merci l'ange. Merci l'ange, c'est bon, je crois que j'ai... Je crois que le message est bien passé, là. Il y a un ange qui nous tire dessus, toi t'as rien de mieux à foutre que de m'attaquer. On va essayer de voir là-bas au fond, là. Jusqu'où je peux aller dans ce marais? Si je fonce par là, tout droit. Je peux pas aller par... Attends. Lui, il était là, en haut, là-bas. Bon, on peut pas y aller, là-haut. À moins d'être encore plus haut. Peut-on être plus haut que la hauteur elle-même? Ouais, bah là on va rester empoisonné, hein. Je vais pas cramer un truc encore. Faudrait que j'aille là-bas, moi. Mais je peux pas.
Ici, il n'y a rien. Donc, il faut que je retourne là. Regardez bien. Bah oui, mais comment tu fais pour y aller là-haut? De cette racine là? Là, y a rien. C'est le bordel. J'essaie de comprendre un petit peu, hein, mais... Là, je fais complètement des choses inutiles, je suis désolé. Je suis désolé, mais là, franchement, j'essaie de... comprendre ce bordel de... Et si tu passes là, on y était déjà allé en dessous, là, y a rien. Tiens, et par les toits, là. Là, c'est les toits que j'avais pas fait. Non mais sans déconner. Putain. Voilà. C'était le petit voleur du NG plus 2. Hein, il n'y a pas de... Voilà. Ok. On peut y retourner. On peut aller voir les toits, mais je pense pas que ça nous mène à quelque chose de grandiose. Lui, il doit se dire, putain, il est encore là. Il bouge pas. Putain, cet ange-là, par contre, il m'énerve. Alors, ça se trouve, certains doivent me crier dans la section commentaires, mais c'est là ! C'est là ! Il est là, le machin que t'as besoin de tuer. Il est pas à côté. Oh, what the fuck ? Écaille de titanite. J'étais jamais allé là. Pff, tout est tellement pété. Apparemment, je peux aller en face aussi sur le toit. Ouais, mais pas par là. Non, mais... Mais allez, voilà. Et là, je vais me soigner. Ah là, mais non. Parce que boys. On va retourner sur le toit des trucs, là. En tout cas, cette petite zone, clairement, clin d'œil Dark Souls 2, hein, bon. Sauf que c'est marrant, cette zone est 100 fois mieux que la zone empoisonnée de Dark Souls 2. Enfin, Dark Souls 2 ne brillait pas par ces zones en même temps. On va pouvoir en remettre une couche, hein, on tire pas sur une ambulance, mais... Ça... Il y avait trop d'enchaînement de zones de 10 minutes, alors c'est sûr que... Je souffrais un peu de ce côté-là. Ah. Et voilà comment on fait pour aller voir l'autre connard. Voilà. Et d'ici, bah t'es tout content. Sale vermine. Ok. Voilà, donc d'ici il était. Non, ils se sont pas dit que c'était craqué, hein, putain. D'accord. Alors d'ici, je peux aller où avec toutes ces racines? Non. Il faut que j'arrive à revenir en arrière maintenant. Mais via les racines, sinon ce n'est pas drôle. Voilà. Mais je peux pas aller plus loin, il y a l'autre. Je peux pas aller plus loin, il y a l'ange. Est-ce qu'il y a une zone que j'ai ratée?
Alors, je pourrais presque me faire tomber de là. J'ai pas l'anneau du chat sur ce build. Non, bien sûr, ça tombe facile. Dans les quêtes de Ciris. Mais ça, c'est encore un autre ange ou c'est le... J'ai l'impression que c'est encore un autre. Je sais pas où je suis. Où est-ce que je suis? Il y a combien d'anges, quoi? Je suis sur une racine. Ok. Il y a un message qui me disait de regarder en bas. Non, mais il y a deux anges en vrai. Bon. Tu sais quoi? On va avancer et puis on va voir. Il y a clairement un message qui me disait... Enfin, qui me faisait un point down. Ça pouvait être intéressant. Mais là, j'ai plus de fiole, j'ai plus rien. Faut absolument que j'avance un tout petit peu. Tiens, tiens! Comment on se retrouve? Ça te dit de tester mon sort de pyromancie, connard? Aïe! Eh mais il attaque! T'as pas le droit d'attaquer. Pas du jeu. Ah tiens, j'ai entendu un ange agoniser. Pourquoi est-ce que j'ai une érection? Ok. Ah. Allez-y. Touchez la tache de sang. De toutes les manières, c'est un cul-de-sac. On est d'accord. Bon, qui ne tente rien. C'était obligé, mais c'est pas grave, ça me fait rire. Ok. L'ange est mort. Putain. Yes. De toute façon, tout ce qui me manquait à visiter dans cette zone, c'était la petite baraque qu'on voyait au loin. Là, j'ai tué tous les anges, tu peux circuler librement, mec. Ah bah non, remarque, il avait pas besoin de ça. Alors du coup, on va vérifier s'il y avait bien deux anges ou pas. Ouais, bon, c'est bien celui-là qui est mort. On va pouvoir enfin aller par là. Alors, qu'est-ce que tu cachais, petit ange? Deux éclats de titanite, youhou. Sérieusement? Ça pour ça? Non, attends. Il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Hey oh. Ah bah oui, maintenant, les voleurs sont libres. Foutez-moi la paix! Putain, je vais me faire défoncer par deux voleurs. Putain, ils sortent la sarbacane là, tu sais que ça rigole plus. Hein. Putain, mais ils sont tellement surexcités qu'ils tombent dans le vide. Ouais. Donc, moi j'étais là-bas tout à l'heure. Eh bien, sans plus attendre. Oh, le voleur, on s'en fout. On va remonter la racine, tout ça, pour jusqu'à l'ange qui nous tirait dessus. Et on va voir si ça nous mène quelque part ou s'il y avait vraiment rien. Mais j'ai pas l'impression que ça mène quoi que ce soit. Et, oh, comme d'hab, hein, Raven, il rate tous les passages évidents. Hein. Ça, c'est... Voilà, ça ne changera jamais.
Je rappelle quand même à ceux qui n'ont pas suivi mon playthrough Dark Souls 3 du début jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé quand même 10 minutes, bon point, hein, 10 vraies minutes, à savoir où aller. Alors qu'en fait, il fallait simplement, au tout début du jeu, alors qu'en fait, il fallait simplement que j'aille au feu de camp que je venais de créer au tout début pour aller au premier niveau, quoi. Non mais c'est con, hein, mais... Voilà, c'est des grandes observations. Ça c'est fait. Bon du coup là, il n'y a pas d'ange pour me tirer dessus. Yes. Bah, ça mène nulle part, ces conneries. C'est quoi ce vieux plan foireux là ? Attends. Oh, tu vas quand même pas me dire que ça mène nulle part. Ça, ça a l'air d'amortir les chutes, je sais pas. Franchement, combien de fois j'aurais parcouru ce chemin, quoi. Oh. Allez, go. Bon. Putain, on le voit bien au loin comme ça. Ok. Sérieux, ça ressemble à rien. C'est trop bizarre. Franchement, ils ont une idée tordue, mais qui fonctionne, je trouve. Bon, après, les rageux diront que ce ne sont que des recyclages de zones, mais pas vraiment. Allez-y, vous ne risquez rien. D'accord, si tu le dis. Donc ça doit être vrai. Putain, mais attends, mais c'est vachement haut, ce bordel. T'es sûr que je vais pas me casser un genou ou quelque chose ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain! Yeah! What? Oh putain, boss fight! It's coming! Bon, où est le deuxième? Je veux pas le savoir, très sincèrement. Il a l'air affaibli, celui-là. Ah, merde. D'accord, ils ont l'air de se passer une puissance. Comme une flamme ou quelque chose. Celui qui était passif est devenu agressif. Par contre, ils ont une barre de vie qui tend légèrement vers la connerie.
Oh putain, non! Pire chose qui puisse t'arriver. Faites le mur. Pourquoi les deux ils brûlent maintenant? Mais oui! Oh! Ok, il faut se concentrer sur un des deux. Et quand il se passe les flammes, ou je ne sais. Enfin, c'est comme s'ils avaient une puissance qui se partageait entre eux. Du coup, au moment de la passation de pouvoir, je dirais, on peut peut-être leur faire un coup critique. Mais vu qu'on peut leur en faire, je peux peut-être d'ailleurs en profiter pour changer de. D'anneau. Attends. J'ai quoi là? J'ai ça. Et si je mettais ça? Améliore les attaques critiques. Bon, le toxique, ils ont pas l'air de. Enfin, ils ont l'air de s'en foutre, littéralement. Je. Je suis pyromancien, c'est deux mobs de feu, tu veux que je fasse quoi? Bon, avec ma magie de merde. Ah, on va peut-être faire ça. Et peut-être qu'ils craignent le feu. On peut tester la flamme noire. Allez. Putain, c'est pas bête là ce que je suis en train de te proposer là. Allez. Oh, ça va, ça se fait. Putain, nom de Dieu! Lâche-moi! De gérer les deux en même temps, c'est vraiment la merde. Putain, pourtant il y en a un qui fait pas grand chose et tout, mais c'est quand les deux ils sont. Enfin. Ah, finalement, ça va être beaucoup plus dur que ce que j'aurais cru. Et du coup, j'ai pas l'impression par contre que j'aurais fait plus de dégâts sur un coup critique. Améliore les coups critiques et ta sœur, j'ai envie de te dire. Il faudrait plutôt l'anneau de chlorantie, ouais. Ou alors je me mets un anneau d'absorption de dégâts de feu. Pensons aussi à améliorer notre défense. On va voir si ça change quelque chose, mais je pense pas non plus. Parce qu'ils attaquent au physique, c'est pas tant ils crachent des flammes. C'est... Ouais, non, c'est ça en fait. On va plutôt mettre chlorantie. Évidemment. Merde. Trop gourmand, trop gourmand. Ouais, il me reste un PV. C'est du bullshit.
quand l'un devient orange, l'autre, tu peux être sûr qu'il va commencer à être dans la merde. Mais j'ai l'impression que c'est en fait, tu fais que de l'esquive. T'attends qu'il y en ait un des deux qui soit en mode je commence à être fatigué. Et bam, bam, tu lui lances tout ce que t'as dans la poire. Moi, je vois que ça. Après, on pourrait s'amuser à délirer sur. J'allais dire le power within, la puissance intérieure, mais non. Non, ça, ça pue. Littéralement, ça pue. Go. Sympa, ce boss. On va essayer avec une flamme noire, toi. Ah, les dégâts sont au rendez-vous, là. Qu'est-ce que j'ai horreur de ça, n'empêche. Les doubles boss, y a rien de pire. Y a rien de pire. En tout cas, il n'aime pas les dégâts de feu noir. Donc mon épée, il faut que je continue de la buffer éternellement. Ah, c'est pas tant les dégâts de feu, moi, qui me fout. Non mais juste... D'accord. Le démon blessé, le démon abyssal. Deux connards de merde. Je peux même pas m'énerver, putain. Il est 11h30 du soir. J'essaie encore un peu, puis après, j'irai me coucher. Tout à l'heure, j'ai réussi à quasiment tuer un des démons. Ouais, ok, un tiers de vie restant, pour moi, c'est quasiment tué. Hein. L'optimisme, les amis, l'optimisme. Que j'ai pas souvent, d'ailleurs. Tiens. Ok.
Non. Booyah. Ok. Ouais, botte lui le cul. Mais oui, fonce dedans. Taste the booyah! What the fuck? Il est pas mort? Ah mais moi j'ai terminé hein. Normalement là t'es mort. C'est quoi cette merde? What? Quoi cette attaque du bullshit? Fuck! Je sais. Non mais vous êtes sérieux là? Il y a vraiment. C'est quoi cette phase 2? Oh putain, mais non! Oh mais non! Oh mais non. Oh vous êtes vraiment pas sérieux les mecs quoi. Nom de Dieu. Oh putain. D'accord. Mais pourquoi lui il a un vrai sort où ça met une pyromancie en l'air et ça te tire dessus 15 milliards de boules? Et moi, mon sort est tout pourri, hein? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Voilà. Bon. Eh ben, on va s'arrêter là. Je pense que c'est pas mal comme premier essai. Enfin, comme premier essai, non, c'était le troisième ou quatrième ou le cinquième, j'en sais rien. D'accord, donc il a une phase 2. Enfin, il revit, quoi. C'est plutôt cool. Merci. Merci, les mecs. Je me disais aussi que sur un contre, il perdait quand même pas mal de vie. Mais genre, ça me laisse à penser que finalement, le début... C'est juste un entraînement, c'est voilà, moi je suis mignonnet, hein, c'est tout gentil. Ah putain. Bon allez, j'ai plus de voix là. J'espère que vous avez apprécié cette première session, puisque là c'était donc 2h30 là, d'enregistrer ce soir pour la session nocturne, hein, encore une fois, c'est pour ça que je parlais pas trop fort. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans la section des commentaires, à m'aiguiller si j'ai oublié quelque chose. Et puis à laisser évidemment un énorme pouce bleu, ça vous fait plaisir, toutes ces petites vidéos. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour la suite de nos aventures dans Ringed City.
le deuxième et dernier DLC de Dark Souls 3. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. And don't forget to taste the booyah!